Et puis voilà, et on est parti du coup pour ce premier jeu itch.io qui est payant, que j'ai payé 2 ou 3 euros. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a une musique fort triste, je ne sais pas pourquoi. C'est parti. Nous allons voir ce qui s'y passe. Presence. C'est qui Presence? On ne sait pas. Vous êtes prêt pour les meilleurs prix? Ah genre il faut deviner les prix, c'est ça, non? Ah non, c'est... Oh putain, Herr Appartement. Son appartement à elle. Bonsoir, employé du mois, tu vas bien? Oh là là, oui, j'arrive. Ah là là! Téléphone... Non, c'est pas là. Téléphone... Oh... Ah, c'est la poubelle. Là. Là. Hello? Hello? Oh, me! Oh, c'est moui. Hey, Ray. It's Margaret. Sorry. Ah, cette voix. Hey, Ray, c'est Margaret. Désolé d'appeler si tard. Mais je pars des États-Unis pour la semaine. Est-ce que tu peux t'occuper de mon chat? Arroser les plantes et occasionnellement récupérer mon courrier, j'apprécierais beaucoup. Oh, hello, Mrs. Olson. Oh, bonjour, Madame Olson. Bien sûr, je serais content de vous aider. Quand je rentrerai quand je rentrerai à la maison du travail, le soir, j'irai m'occuper de ce que vous voulez. Bien, merci. Je pars demain. Won't you come over to my apartment now? Ah oui, est-ce que vous voulez pas venir à mon appartement maintenant? Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai besoin. Je suis là dans une minute. Ok. Donc, Madame Olson vit à l'appartement numéro 2. C'est la meilleure voisine. Personne cause... Hein, quoi? J'ai pas eu le temps de dire. Genre, elle est cool, quoi. Et ça, c'est mon appartement à moi. Mais on s'en fout parce que le jeu s'appelle son appartement. À elle. L'appartement numéro 2. Je suis l'appartement numéro 4. Donc, nous descendons. J'ai peut-être un calcul. Ah, merde. Putain, bah désolé pour toi. Bah, bon courage, en tout cas. Soigne-toi bien. Plus courage parce que je crois que c'est pas très agréable, effectivement. Bonjour, Madame Olson. Oh, putain. Oh la vache, Madame Olson, c'est votre visage, ça? C'est la vieillesse qui fait ça? Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein? Wow, looking good, Ray. Wow, tu as l'air bien, Ray. Quel homme charmant. Elle a une voix si étrange. Thank you, Mrs. Olson. What should I do first? Merci beaucoup, Madame Olson. Mais je me demande si c'est pas des voix d'IA, non? Quoique, la voix de la mamie, non, c'est pas possible. La voix du mec, peut-être, mais... qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'abord? À la fin du couloir, il y a une porte avec une pièce pleine de saloperies. Dans cette pièce, il y a un watering can. Ah, c'est un truc pour transporter l'eau. Ah oui, un arrosoir. Ok. Voilà. Ok, donc. Here in the living room are the first two plants. Ok, donc là... Comment... Madame Olson, je comprends pas comment ça marche. Ah putain, d'accord. Ok, voilà. On a arrosé les plantes du living room. Last two plants are in the bedroom. I'll wait for you here. Je vous attends ici. Donc, dans sa chambre, les deux autres plantes. Arrosées. À la voix de la vieille dame qui a fumé un paquet de gitane par jour pendant 40 ans. Ouais, un peu, ouais. Carrément. C'est un peu ça. Elle a dû faire des ravages quand elle était jeune avec ce visage. Ok. J'ai nourri tout ce qu'il y avait. Nourrir. Ah, il faut nourrir le chat, oui. Il faut dormir le matin et le soir. Ok, donc il faut lui donner une pâtée dans la cuisine. Ah oui! Oh bah, je les vois bien les pâtés. Mais madame, vous avez fait un sacré stock quand même. Hein. Je crois qu'il est pas prêt de mourir de faim. Meow food. Voilà. Il est où le chat? Oh le chat! Bon. Oh, il fait les mêmes bruits que Pandora. Pandora?
Quand elle mange, elle fait un bruit. Déjà, elle renifle comme un chien, elle fait... avant de manger. Et après, quand elle mange, elle est en... Vraiment, c'est pas un chat, quoi. Des fois, je me dis... c'est... Et quand je lui donne, vous savez, des petites croquinettes, là, des petites croquettes un peu fourrées, etc. Genre ces petites friandises, quoi. Je lui donne par terre. Après, il y a de la bave par terre quand elle les a mangées. Genre, elle bave sur le sol. C'est terrible. No need to get the mail today. Pas besoin de récupérer le courrier aujourd'hui, j'ai déjà fait. Voici les clés de mon appartement et les clés de ma boîte. Voilà, $50, j'apprécie votre aide. Thanks a lot. I'll make sure everything's taken care of. Ok, je m'occuperai de bien tout. Merci beaucoup. Juste au cas où, j'écris toutes les tâches ici et je laisse la note quelque part. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. On se voit la semaine prochaine. Take care and good night. Et bah, prenez soin de vous et bonne nuit. Ok, retournons à mon appartement et dormons. Au revoir le chat. Attends, $50 pour que j'arrose ses plantes et que je récupère son courrier. C'est plutôt sympa quand même, hein. Merci mamie. Et que je nourrisse le chat évidemment. Mais ça, il n'y a pas besoin de me payer pour le faire, clairement. Ok, go to sleep, et ben feu, hein. Dodo. Quit. Ah. Si on devient comme ça vieux, je préfère mourir jeune. Finalement, ok. Je suis rendu de la maison après le travail. D'abord, je vais récupérer le courrier de Madame Olson et le mien. Alors, nous, on est appartement... Alors, l'appartement 2, c'est le sien. Margaret Olson, ouais. Je laisserai dans son appartement. Et le mien, du coup, c'est le 4. Donc, c'est Benton. J'ai un petit journal. Authority cherche for escape. Ah, il y a un... Ah, putain, c'est un vieux en plus aussi. Il y a quelqu'un qui s'est échappé de l'asile. Mataline Man, for... Il a 65 ans, il s'appelle Harold Whitmore, et il s'est évadé du coup de l'établissement psychiatrique. Ok, j'espère qu'ils le trouveront avant qu'il y ait des soucis. Alors, c'est le bordel ici. RIP, super. Du coup, je vais m'occuper d'avoir son appart. Ah bah merde, non, son appart c'est aux deux. Hop. Du coup, on arrose les plantes. Ça va, c'est du clicking un peu plus léger que ce qu'on avait eu dans d'autres jeux. Hop. Voilà. Ok. Time to feed kitty. Kitty. Pouit. T'es où? Moi? Je peux pas le caresser. Non, je retourne à mon appartement et je vais dormir. Ok, je fais que ça. Je rentre chez moi, je dors. Moi, le petit chat. Au revoir, petit. Aïe. Au revoir, petit chat. Ok, dodo. Je reviens de cette pub. Oh la vache. Hein. Cette pub. Non, mais sérieusement, quoi. Ça veut plus rien dire, cette pub. Ah, j'ai pas fini mon médoc. Un autre jour, une autre collection de courriers. Hop, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait là. Stop your basic food tape. Ah, il y a des trucs, ouais, qu'on peut acheter. Oh, des graines de chien. Du bread rye, je sais pas ce que c'est. Des pois chiches. Jasmine tea, olive oil, du miel de forêt, des patates douces, c'est bon les patates douces. Ne dites pas je suis cassé, dites je suis financially challenged, financially, financièrement.
Oui, c'est ça. J'ai des difficultés financières. Je vois pas le rapport avec... mais ok. Seriously, do not bend. Et is bent... Ah, c'est... Oui, c'est plié. Bah oui, mais non, mais de toute façon, les facteurs, quoi. Les facteurs. J'ai laissé la lettre dans son appartement. J'espère que vous avez pas trop de soucis, d'ailleurs, quand... Pour le moment, j'ai jamais eu de message en disant... Enfin, si, c'est arrivé une fois, je crois, au tout début. Disons que la commande qu'on avait passée à ma boutique était pliée. Et oui, les facteurs, ils aiment bien faire ça. Brock s'est fauché. Ah, d'accord. Mais oui, il vient de dire où est la plante. Mais oui, il y a une plante qui a disparu. Mais... Ça commence à me faire peur, je vais appeler Madame Olson. C'est quand même chelou cette histoire. Ah, j'avais pas vu la tête du chat. Quoi qu'il me fait penser au chat dans les Simpsons, non? Il a pas la même gueule dans les Simpsons? Un peu, hein? Mais oui, attends. Et les plantes dans sa chambre, elles sont toujours là? Oui. Il y a une plante qui a disparu. Appelons Madame Olson. Hello? Hello. Hello, Mrs. Olson. Bonjour, Madame Olson. On a un problème. Une plante a disparu. Celle qui est dans le living room. Hey Ray. Hey Ray. Vraiment? Everything else is fine. Ah, tout va bien. Il y a juste une plante qui a disparu? Oui. Enfin, c'est bizarre quand même, Madame. Yes, well. Oui, bien. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Je lui ai dit qu'il y avait une plante qui a disparu. Et genre là, elle réapparaît. Elle l'a fait repop. It's here. It literally wasn't here a few seconds ago. C'est là, c'était clairement pas là il y a quelques secondes. I'm not crazy, am Je ne suis pas fou, n'est-ce pas? Maybe you're tired. Peut-être que vous êtes fatigué. Désolé si je vous dérange avec que je vous donne trop de boulot. That's definitely from my work. Ça vient de mon boulot. Désolé de vous avoir interrompu. Je vais aller leur donner de l'eau. Salut. C'est bizarre. C'est bizarre. Non mais t'as vraiment eu 7 pubs d'affilée quoi. What the fuck. Oh coucou Shigo, je t'avais pas vu. Comment tu vas bien? Ok. Me dis pas que le chat il va disparaître aussi. Il est là. La pâtée est toujours là aussi. Tiens le petit chat. Allez, viens manger ta pâté. Voilà. C'est fini. Je suis excité d'aller dans mon lit. Droit d'excité. C'est bizarre. Si t'es excité au moment d'aller dans ton lit, bah tu vas pas bien dormir, donc bon. Pas génial, quoi. Fair for rent. Bon, bah, go to sleep. De toute façon, je peux rien faire chez moi. J'ai pas de vie, quoi. Vous pouvez nous faire rentrer à Poudlard. Ah, qui commence à revoir les Harry Potter parce que nous sommes au mois d'octobre. Nous, on a commencé déjà. Alors, voyons voir le courrier. Oui, on fait des bonnes actions pour les mamies. Ah, bah, il n'y a pas de quoi. Oh! Amazing interest up to per annum. Hein? Ah, c'est une nouvelle banque, d'accord. Je pourrais mettre mon argent là-bas. Hop. La plante est là. La deuxième plante est là. Le chat est là. Il y a eu un bruit, par contre. Il y a eu un bruit, je suis pas folle. Il y a eu un bruit. Je suis même pas allé voir là. Oh. Non mais maintenant... maintenant que j'ai vu qu'on pouvait ouvrir la fenêtre, je vais être terrifiée. Non, à tous les coups, il y a le vieux papy qui s'est enfui de l'asile qui va rentrer par la fenêtre. C'est sûr. Celle-là aussi? Oh merde. Hmm...
Vendredi 13. Ah, ça fait longtemps, il faudrait que je me la revoie aussi. J'ai très envie de revoir Scream aussi. Ça fait longtemps, j'ai envie de tous me les refaire. Du premier jusqu'au dernier que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Voilà. Oh mais non, mais... ah, le coup des fenêtres, ça me plaît pas là. Le chat ? Time to bouffe ? Mais je suis folle ou j'ai entendu un bruit encore ? Mais ! La gamelle a disparu. Kitty, t'as perdu ton bol quelque part. Mais... Ou alors c'est le chat. C'est le chat qui fait des pop des objets. Peu importe, j'espère que Madame Olson ne sera pas en colère si j'ai sa nourriture sur le sol. Non mais... Sois pas bête. Prends un bol dans le placard, quoi, ou une assiette. T'es pas obligé de le foutre sur le sol, il y a 40 000 autres possibilités avant ça. Mais... Je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Pauvre chat. Shit. Tu es un sorcier, Kitty. Un quoi ? Enfin, plutôt... Miaou, miaou. Un sorcier, tu seras même un bon sorcier avec un peu d'entraînement. Oh, miaou. Bizarre. Il y a un seul bol dans la maison, c'est celui du chat, ouais. Étrange. Ma nouvelle carte de la nouvelle banque est arrivée aujourd'hui et je suis hyper excitée. Ouais, vous aussi vous êtes excité quand vous recevez une carte bancaire ? Non. Ce bruit, c'est le bol du chat ! What the fuck ? Le bol du Kitty ? Comment il atterrit là ? Je pense que sa maison a un portail vers une autre galaxie. Ah ouais, ma première... Ah, c'est ma première carte de crédit. Ah, bah je peux comprendre l'excitation, là. Oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Oh, what the fuck was that disgustingly loud sound? Ah, qu'est-ce que c'était que ce putain de bruit? Dégoûtant. Screw it, I'm drunk as a skunk anyway. De toute façon, je suis bourré. Ah, tu es celui qui s'occupe de l'appartement de Margaret, hein? N'est-ce pas? Yes, that's me. Oui, c'est moi. Désolé de vous avoir dérangé. What were you doing there so late yesterday? Qu'est-ce que tu fais aussi tard hier? Il était déjà 3h du matin? What? Non, je dormais à cette heure-là dans mon lit. J'étais pas dans son appartement. Donc il y a le vieux. I saw you. Je t'ai vu. I was coming back from the pub. Je revenais du pub. You were waving at me from the window. Ah, on l'a vu par la fenêtre. Vous voyez juste des choses. Je dormais vraiment. Espèce de d'alcoolique loser. Oh, comme il a fermé la porte. Cette violence. Tant de violence, monsieur, en vous. Le chat est là, j'ai remis le bol. Okay. Là, les deux plantes sont là. Les deux plantes sont là. Le chat est là, le bol est là. Commencez pas à m'embrouiller. Mais en fait, il y a le vieux qui vient. Et c'est bizarre parce que la plante, elle a... Ah, j'ai même pas vu. Water the plant. Feed Kitty. Merci encore. Trop chou, genre là. Il y a deux trucs à faire, là, il peur que j'oublie. Il m'a vu dans quelle pièce du coup? Je sais pas. Oh, tu dors avec le papy? Non, je pense pas. J'espère pas quand même. Voir le chat manger, c'est la partie la plus mignonne de la journée. Je ne peux pas attendre. Le chat est là. Putain. J'ai eu peur. Tiens le chat, cette fois tu as un bol. Allez, allons se coucher. Mais ouais, j'allais dire, en fait, à tous les coups, c'est le vieux qui s'introduit ici, qui déplace des objets. Pourquoi ?
Sauf que la dernière fois, quand on a appelé la mamie, pardon, j'ai un peu marché dessus, on était là et la plante a repop sous nos yeux presque, donc... Aïe. C'est pas possible du coup. Il boit comment, Killy? Il boit pas. Et c'est un peu triste. Effectivement. Mais moi aussi, les fenêtres s'ouvrent chez moi? Ah ouais, putain. Ok. Bon dodo. Bien qu'il s'est dit pendant des coups de doigts, il voulait m'en foutre une. Finalement, à la maison. Aujourd'hui, c'était... c'est mon dernier jour de m'occuper de l'appartement de Madame Olson. Ok. Dernier jour. Encore du courrier. Happy Paw Pet Club. Oh! Trop chou. La banque chez laquelle j'ai ouvert un compte a fermé 2 jours après avoir ouvert. Genre elle a fait faillite quoi. MDR. Nickel. Les plantes sont là. Le chat est là. Ok. Et genre on nettoie pas sa litière aussi. Genre ça doit puer quoi. Attends mais il y avait la plante là? Ah oui. Qu'est-ce qui pourrait arriver, j'avoue. Je sais pas. Pour le moment, à part 2 objets qui disparaissent... Oh. Allons nourrir le chaton pour la dernière fois. Tiens le chat, double pâté pour ce soir, allez. Moi. C'est fait, je peux partir. Bonne nuit, Killy. Bonne nuit, bébou. Aïe. J'aime bien me prendre la porte dans la tronche à chaque fois. Il y avait une énorme fissure ici. Pas fait gaffe. Je regarde, il n'y a rien de louche chez moi. Ça a pas l'air. Imagine on kidnappe Killy. Bon non, pauvre mamie. Bon, à moins qu'elle soit coupable dans ce cas-là. Madame Olson devrait être à la maison maintenant. Je vais aller lui rendre ses clés. Ok. J'espère qu'il n'est pas arrivé à un malheur. À la mamie. Ou elle n'est pas rentrée. Hi, Mrs. Olson. Ah si, il y a la pâté et tout. Ah, bonjour Madame Olson, c'est bon de vous voir de nouveau. Oh! What's your emergency? 911, quelle est votre urgence? Y'a mamie s'est transformée en un papy. There's a foreign man in my apartment. He attacked my neighbor. Y'a un homme dans mon appartement, il a attaqué mon voisin. Et maintenant ils se battent. It's my apartment. Mine. Get out, everybody out. C'est mon appartement, le mien, sortez. What? Donc le vieux... Après l'accident, la police a trouvé 2 corps sans vie. Oh merde, je suis mort. Tant que le chat va bien. Donc un qui avait 24 ans et l'autre un homme de 68 ans. Donc le vieux qui s'est échappé de l'asile. Précédent propriétaire de l'appartement numéro 2, Harold Whitmore. La police ne l'a jamais retrouvé. Bah, il est mort. Non, la mamie. La mamie est dead. Mais non, elle est pas morte, la mamie. Si, elle est morte. Ah non, c'est la mamie qui est morte. Oh, j'ai mal lu. J'ai vu un homme. Vous êtes sûr? Merde, j'ai un doute du coup. Bah oui, si on l'a jamais retrouvé, c'est ça, j'ai mal lu. Mamie est morte. Et Kitty, j'espère que Kitty va bien. Il y avait de la pâtée, donc je pense qu'il va s'occuper du Kitty. Woman, ah ouais, merde, j'ai lu un peu vite. Non. Mais c'est triste. C'est triste. Du coup, en fait, ouais, l'histoire est simple. Hein. Le mec est sorti de l'asile. Il est retourné dans son ancien appartement, là où il y avait la mamie. Et
Et du coup, en se disant que c'était toujours le sien, et il a pété un câble et voilà. Alors pourquoi, par contre, il y a une plante qui a réapparu sous nos yeux, on sait pas trop, mais c'était un peu bizarre. Non, pauvre mamie. J'espère que le chat va bien au moins. Hein. Vas-y, il strisse ce jeu.